Bien. On va se faire un petit tour de carton magie. Mais avant ça, je vous présente ici une petite carte blanche par là et blanche par là. En fait, cette petite carte-là, elle va faire office d'une prédiction. C'est-à-dire on va la voir jusqu'à la fin de l'expérience. Et de notre côté, j'ai ici une petite pochette transparente. Bien. Et enfin, un jeu de 52 cartes avec des cartes toutes différentes. Alors avant de commencer le tour, je vais vous raconter un petit peu le titre de cette expérience-là que j'ai intitulé Rien ne se perd, non, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. C'est une phrase qui a été dite par Antoine Lavoisier au XVIIIe siècle. Lavoisier, c'était un chimiste français qui a été d'ailleurs décapité pendant la Révolution française. Bien, alors, ça c'est le côté culture. Maintenant, on suppose qu'on a un spectateur en face de nous qui va nous dire stop quand il le souhaite. Alors donc, je vais effeuiller les cartes comme ça, il dira stop quand il le souhaite. Là, stop ici. Là, on a le 8 de cœur, par exemple ici, le 8 de cœur. Bien. Le 8 de cœur, la carte choisie, la première carte choisie va être mise ici, dans la petite pochette ici. Elle sera en vue pendant toute l'expérience. Alors, donc, on va demander à un deuxième spectateur, par exemple, ou le même, il n'y a pas de souci, de nous dire stop quand il le souhaite. Alors, stop ici. Et là, on a le 5 de carreau, la deuxième carte choisie. Bien, le reste des cartes, on s'en sert plus. Et on a donc ici 8 de cœur et 5 de carreau. Regardez bien, ça va se passer sous vos yeux. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Et là, on a le 8 de cœur qui s'est transformé en 5 de carreau. Mais comme rien ne se perd, donc notre 5 de carreau s'est transformé en 8 de cœur. Vous rappelez qu'ici, il y avait une prédiction. Cette prédiction-là, on va prendre un briquet, on va chauffer juste au-dessus comme ça. Et là, on obtient l'une des cartes qui a été prédite. Ah, l'avance. Ah, c'est lui de trèfle. Attends, c'est pas le. Non. Ah oui. En fait, le 8 de trèfle, c'était le tour du spectateur d'avant. Mais heureusement qu'il y a Lavoisier. Rien ne se perd. Tout se transforme. Regardez bien. Il suffit de chauffer comme ça. Hop, le trèfle il se transforme en carreau. Et là. Ah non, on n'a pas le 5 de carreau. Ah, c'est le 3 de carreau. Pas grave. Rien ne se perd, tout se transforme. Là, on a un 5 de carreau et hop, il se transforme en 3 de carreau. Et c'est pareil que la prédiction. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Oui, mais voilà. Rien ne se perd. Où est le 5 de carreau? 5 de carreau, il n'a jamais quitté la table parce que le 5 de carreau est là. Oui, mais vous rappelez, ici, il y avait le 8 de trèfle. Bah, où est le 8 de trèfle? Rien ne se perd, tout se transforme. Regardez bien. Paquet de cartes, ici. Je frotte juste comme ça. Et là, le 3 se transforme en 8 de trèfle, la carte du spectateur de la dernière fois. Quoi? Ici? Non. En fait, il n'y a rien du tout. Rien ne se perd, tout se transforme. Alors, donc, vous allez me dire, mais où est le 3 de carreau finalement? Regardez bien, on va faire ce qu'on appelle un mélange à l'australienne. On prend un coup les cartes ici. Bas, on retourne, on prend les cartes
et si, comme ça, tout jusqu'à la fin du paquet. Et hop, et là, ce qui fait qu'à la fin, on va avoir des cartes face en bas, des cartes face en haut, des cartes face en bas, face en haut, et des cartes face en bas. Regardez bien, il faut juste de faire un petit claquement. Je retourne. Toutes les cartes sont maintenant face en l'air. Toutes, non. Sauf notre carte qui est le 3 de carreau et qui est la carte prédite depuis le début. Et voilà. Rien ne se crée. Rien ne se perd. Tout se transforme. Merci Lavoisier et à bientôt.